Bonjour à tous, vous allez pouvoir profiter d'un week-end très agréable avec des températures de saison cet après-midi, après une matinée parfois très fraîche dans certaines régions. Températures négatives parfois relevées ce matin très tôt à 7 h du matin, ce sont des stations météo situées en plaine, donc à moins de 500 mètres d'altitude, et c'est assez typique en automne avec ces températures basses, l'humidité ambiante et des conditions anticycloniques, la formation de ces brouillards. Par exemple, à Brest, on ne voyait pas à plus de 200 mètres, 100 mètres également du côté d'Alençon. Donc notre anticyclone qui était sur les îles Britanniques, c'est le A que vous voyez là, est en train de se décaler vers l'Allemagne. Il empêche les perturbations d'arriver jusqu'à nous. On en voit une ici sur l'Atlantique, mais qui arrivera quand même plus tôt pour ce dimanche. Elle sera vraiment de faible activité. On verra ça dans un instant. En attendant, donc cet après-midi, vous profitez du soleil. Les brouillards vont se dissiper. Quelques passages nuageux sur la moitié nord du pays, sans grande conséquence. Le temps va rester sec avec quand même quelques belles éclaircies. Ce sera un petit peu plus gris sur la côte d'Opale ou encore du côté des Pyrénées avec quelques averses possibles. Les températures cet après-midi sont tout à fait de saison. 14 degrés à Lille ou encore à Strasbourg, 16 degrés à Paris, 20 degrés donc du côté de Bordeaux et puis 22 degrés près de la Méditerranée. Demain matin, encore beaucoup de brouillard si vous habitez en région Grand Est en allant vers le Val-de-Saône, vers le Rhône également. Donc là aussi, visibilité très réduite. On aura un ciel très gris à votre réveil. Ailleurs, le soleil sera au rendez-vous. Dans l'après-midi, on a un ciel très laiteux qui va se mettre en place sur le nord-ouest en descendant vers le sud-ouest. Et la petite perturbation qu'on voyait donc sur l'animation satellite qui arrive avec un ciel bien gris, parfois quelques averses entre le sud de la Bretagne et la côte aquitaine. On a le vent de sud ici qui ramènera aussi quelques entrées maritimes. Ailleurs, le temps sera très ensoleillé avec une fraîcheur assez vive encore au réveil. Il faudra bien se couvrir. Température qui risque d'être négative à nouveau dans l'est du territoire, surtout donc en plaine. Mais il fera très doux déjà à Biarritz avec 12 degrés. Ce sera le cas aussi du côté de Nice. Et puis dans l'après-midi, les températures vont gagner 1-2 degrés localement, entre 13 et 17 degrés sur la moitié nord. Encore jusqu'à 23 degrés pour la ville de Biarritz. Pour la suite, le vent va s'orienter au secteur sud. Donc beaucoup de douceur pour la journée de lundi. 18 à Paris, 22 degrés attendus à Lyon avec l'arrivée d'une perturbation ici lundi, quelques pluies qu'on retrouvera vraiment dans le nord-est mardi avec des entrées maritimes aussi assez denses et beaucoup de douceur pour la journée de mardi. On en reparle juste après le journal de Leïla Kadour. À tout à l'heure.